quoi, il a arrêté au bout, mais là j'ai compris. Parce qu'il va retirer sur des grandes longueurs, mais alors là, laisse tomber. Ouais, au bout, il va retirer dans l'autre sens, en partant vers la droite là-bas, ouais, d'accord. Mais là, je sais pas, même au départ, pourquoi il part pas. Pourquoi il fait un départ comme ça? Je sais pas, d'habitude, il part, tu te cales contre le trottoir, tu règles, et puis c'est bon, quoi. Pourquoi on roule sur le. Pour amortir les pavés, peut-être. Tu sais, il y a des pavés, là, c'est un peu chaud, là. Ah, à ta gauche, là, c'est des pavés, ça? Non, devant la machine, entre toi et lui, là, il y a des pavés au sol, là. Et ils ont mis des planches, mais à mon avis, ils ont peut-être peur, ils préfèrent faire ça, tu vois. Ouais, d'accord, mais bon, nous, on va quand même passer dessus, quoi. Prenez le rond-point, prenez la troisième sortie. Je sais pas si t'as entendu, là. Apparemment j'ai demandé au bonhomme, là-bas il y a 400 tonnes à faire aujourd'hui. Ouais, je sais, j'avais demandé, ouais. Il disait, ouais, ça fait 3 tours chacun. Et ils font tout le tour du bâtiment. Sur les stations fréquences, pour Dundee 33 qui l'on s'appelle en mobile depuis Metz. Attention les stations fréquences, pour Dundee 33 qui l'on s'appelle en mobile depuis Metz. Attention les stations fréquences pour Dundee 33 qui lance appel en mobile depuis Metz, enfin direction Lourdes. Attention les stations du forum fier d'être routier pour Dundee 33 qui vous lance appel depuis Metz direction Nord. CQDX, appel de 14 km, 33,01 opérateur Rémi, en mobile sur l'autoroute de Metz, direction Nord. CQ
CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, Dandy 33 lance appel en mobile, depuis l'autoroute de Metz en direction du nord, en direction de la Belgique. J'ai entendu quelqu'un, là c'était vraiment vraiment très QRP là, de mon côté. 73-51 à la station de la part de Dandy 33, 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile au nord de Metz sur l'autoroute A4 en direction de la Belgique. Ça bouchonne dans le sens, ça bouchonne. Ah, il y a un tout petit passage très très QRP, il est 73 et peut-être plus tard en fréquence, on s'y ira mieux. Attention 14 km, 5701 Joël. Attention 14 km, 5701 Joël. Pour 14 km, 3301 Rémi qui t'appelle. Ok, merci. Si vous voulez, on peut faire un petit QSY sur la fréquence de votre choix, vu que là, on est en plein sur la fréquence d'appel. Bah écoute, tu passes sur le 565. Et c'est parti pour moi. Ok, rendu. Donc les bonnes 73 de la part de 14 km 3301 opérateur Rémi QRZ local Dandy 33 pour la Gironde. Voilà deux passages en balade en vacances là sur la région. Et là on sort de Metz et on s'en va là se balader du côté de la Belgique. Ok, ben 100%, hein, Dandy 33, il me semble que j'ai déjà entendu. C'est pas le Dandy 33 de Bordeaux, là, tu vas pas sur Civitas que des fois par hasard, non? Alors là, c'est vraiment du exceptionnel. Hein. J'ai été un petit peu là au début comme ça. Autrement, oui, c'est bien moi. Hein. c'est vraiment du exceptionnel. J'étais plus comme ça à faire le curieux, observer, voir comment ça fonctionne. Mais ça n'a rien à voir avec la vraie radio, quoi. Là où on est en ce moment même, ça, c'est la vraie radio. Hachi, retour. Alors là, tu tombes pile poil. Là, je suis sur la A4 et je suis sur le point d'attraper la 31 là dans 100 mètres. voilà, donc là, voilà. Alors, tac, voilà, j'attrape là de suite la bretelle d'accès vers la 31. On est à peu près à une quinzaine de kilomètres, là, nous, là, une quinzaine de kilomètres. Ça marche bien, c'est 59, 59 plus 5, là, voilà, ça marche bien, et bien. C'est bien que tu lances des appels, comme ça, ça permet peut-être que la population se débloque, parce que, bon, la population en ce moment dure, hein.
Eh bien, était pas plus tard que hier, puisque là, on est allé se balader là, du côté de l'Allemagne. Bon, là, il n'y avait rien en fréquence. Et bon, un petit peu plus tard, là, dans début de soirée. Début de soirée, la propague commençait à arriver, puisque j'ai entendu le Portugal, tout ça passer. Alors, le truc assez amusant, c'est que depuis Metz, bon, j'ai attrapé une station là, qui était là, du côté de la frontière Luxembourg, donc pas très loin. On avait du mal à s'attraper, hein, l'un l'autre. Hein. Et pourtant, j'ai un petit peu de puissance derrière. Alors que pendant ce temps-là, au même moment, le Portugal passait plein pour moi. Ah ben c'est dommage, j'étais pas en fréquence, hein, voilà. Mais ça passe, mais la propagation, elle part très 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 vite en ce moment, hein. Mais je pense qu'un de ces jours, elle va quand même s'installer pendant quelques temps, hein. Je pense que les beaux jours arrivent, et puis voilà, hein. Oui, effectivement, là. Ok, mais il y avait 100%, ça marche bien, hein. C'est bon, il faut avoir quelque chose derrière, je pense, hein. Pas trop, moi je reconnais qu'ils ont beaucoup, mais bon, il faut rester dans le raisonnable, ainsi qu'avant le coup. Oui, ben voilà, c'est exactement ça en plus. Hein. Là, je suis encore dans le raisonnable, puisque le petit truc que j'ai derrière, bon, je rentre dedans qu'à 50%, et sur 6 positions, je ne dépasse pas la position 4. Voilà, donc comme ça, là, ça, puis ça permet même à très courte distance, comme on est là en ce moment, de pouvoir passer sans saturer. Quoi. Alors tiens, je profite en même temps pour les conditions de trafic. Donc de mon côté, là, c'est un CRT 7009, avec ce que j'appelle derrière ma petite boîte de mirror qui porte le nom de B550P. Voilà, et au niveau antenne, ben, c'est la Wilson 5000. Voilà, qui est bien placée en perçage au centre du toit. Ah d'accord, oui, t'as carrément percé le toit. Ouais, c'est vrai que dans le temps, moi, il y a 25-30 ans en arrière, on n'hésitait pas à percer. Hein. Bon, maintenant, on installe des pattes en inox, là, à l'arrière du mobile. Hein. Et puis voilà, hein. Bon, et, faire le trou au milieu, je pense pas que je vais le faire, hein, puisque la fois que j'équipe, j'ai une installation provisoire dans le mobile. Mais bon, il va falloir que j'installe quand même quelque chose de fixe. Parce que les vacances vont arriver, puis on aime quand même faire un petit peu la dispute avec les OM. Ok, oui, ça marche bien, donc aucune saturation. Donc c'est bien le 550, que tu as le B, le 550, hein, en stand-by là. Oui, c'est ça, le Zetagi 550P, voilà, c'est ça. Hein, dont je rentre dedans à 50% de la puissance maximale pour ne pas dépasser la position 4. Hein. Voilà, et voilà, malgré qu'on a en plus, la logique voudrait qu'en local comme ça, on soit plus sur les 40 canaux en AM. Là, on est sur les sup en BLU, et pour autant, et malgré qu'on soit en BLU, comme tu vois, ça ne sature pas du tout. Hein. Alors, il y en a qui tirent au maximum dessus, ça fait très vite dégueulasse. Là, c'est comme si j'étais seulement avec la puissance du poste, mais avec plus derrière quand même. Ouais, tu dois avoir, si t'es à 50 points, tu dois avoir à peu près 200, c'est ça? Gagné! Et j'ai pas eu grand dur, Rémi, tu peux revenir? Ok, je l'ai fait trop court. Je t'ai dit gagné, c'est bien ça. Ouais, ok. Ok, là c'est QRO, là, parce que la modulation elle est très très correcte. Parce que des fois t'entends des OM avec des machins, là, et puis. Modulation écrasée, c'est à la limite, bon, c'est pas beau. Hein. Alors, t'as beau à. Il vaut mieux avoir un signal un peu moins important et puis avoir une belle radio. Que ça, c'est dégueulasse à écouter. Et puis voilà. Ok, Rémi, ben, ça marche bien. Là, toi, l'installation, elle est au top. Alors, j'ai des copains qui, maintenant, ils ne savaient pas que ça existait, les analyseurs d'antenne. Alors, ça, c'est le truc que certainement que je vais aussi investir là-dedans. Voilà, puis comme ça t'as une installation au top là, mais là ça fonctionne parfaitement bien. Ouais ben merci, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai préféré mettre l'antenne en perçage. Au moins comme ça, là, au niveau masse côté l'antenne, et ben voilà, je peux pas espérer mieux. Plus contrôler après en dessous au niveau. Attends que je me trompe pas, oui c'est tout droit.
plus contrôler en dessous là, au Matrix pour être sûr que la masse soit correcte. Et après, là, du côté du poste lui-même, là, j'ai rajouté un fil de masse directement là, pris sur une vis de, derrière le poste, qui lui, eh bien, lui aussi renvoie à la masse du véhicule. Donc comme ça, là, tout est à la masse et il ne reste plus que le bonhomme à mettre à la masse. Et l'antenne, c'est une Entron. Actuellement, je suis avec une Entron sans radio, hein, parce que j'ai la directive en dessous, donc je n'ai pas pu installer les radios. Ok, Rémi. Ok, tiens, je suis en train de passer à la hauteur de la sortie de Guénange. Voilà, ok. Ouais, donc là, tu es en configuration d'antenne demi-onde, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est une demi-onde, tu as tout à fait raison. Et bah, elle fonctionne, mais en réception, je ne suis pas trop satisfait par rapport à celle que j'avais avant. Hein. Voilà, avant, j'avais une 5/8e. C'était la Sirtel 2000 avec qui j'ai eu 8 radios. Mais je pense que je vais la remettre, celle-là, je vais la faire quelques petites restaurations. Et puis, elle remonte sur le toit. Ça faisait que 30 ans qu'elle était dessus. Hein. Voilà, Rémi, à toi. Ok, est-ce qu'à tout hasard, ça ne serait pas la Sirtel 2000 Gold? Pas la Gold, c'est la toute première Sirtel, la self avec le gros le fil en cuivre, hein. C'est une grosse self, et puis elle a 8 radios, ok. Oui, je me souviens très bien de cette antenne, parce que pour ma part, bon, j'ai commencé la CB en 1982, alors j'ai eu le temps de les connaître, celle-là. Et c'est vrai que elles avaient une très bonne réputation, surtout après avec l'arrivée de la Gold. Ouais, je pense que la Gold, je pense que de maintenant, ils ont quand même des autres antennes supérieures, parce que là, j'ai des collègues qui... par exemple, avec le Master, je ne sais pas si ça dit quelque chose. Bon, ils ont fait l'acquisition maintenant de nouvelles antennes qui sont sorties. Je ne sais pas s'ils sont meilleurs que celle-ci, que l'Archipel ou que la Spectrum. Bon, c'est toutes les antennes qui étaient. Ça fait quand même 30 ans qu'ils sont sortis. Hein. Alors maintenant, je ne sais pas si vraiment les nouvelles antennes, elles sont supérieures à ces antennes-là qu'il y avait dans le temps. Hein. En perso, j'y crois pas trop. Je dirais pas que les fabricants ont fait le tour des antennes, non, parce qu'il y a toujours un petit truc à améliorer, à découvrir, et ainsi de suite. Et meilleur maintenant, je ne pense pas, non. Non, je suis pas convaincu non plus, hein. Là, je pense qu'un peu comme toi, là, à ce niveau-là. Parce que je vois là, de mon côté, là, sur la Gironde, le QRA est du côté, dans les environs de Saint-Émilion, hein, par là-bas. Et sur le toit, c'est le Sigma Mantova 8 hein, que j'ai. Et ça aussi, hein, ça marche vraiment bien. Et pourtant, pas d'une première jeunesse non plus. Hein. Et alors, il y en a une là qui... en plus, là, je suis en train de rouler. Je ne peux pas avoir le Internet là devant les yeux. Il y en a une là qui apparemment rencontre un franc succès là. Auprès des stations là, que je vois là sur internet, c'est une Sirio, je crois. Elle a 4 radios immenses. C'est pas grave, je vais pas retrouver le nom. Ouais, il me semble que c'est une Sirio avec 4 grands radios. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Je sais plus le nom. Hachi, retour. Je vais pouvoir trouver ça sur internet, hein, oui, la Sirio, hein, oui, j'en ai déjà vu quelques-unes, hein. Oui, c'est des bonnes antennes, je pense qu'ils ont fait leur preuve, hein. Et puis voilà, hein, ok, ouais, bah, alors, moi je ne sais pas si, parce que là, quand même une trentaine d'années, donc, elle a pris légèrement un petit peu de jeu, là, dans, bon, voilà, elle fonctionne à merveille, elle est déréglée, vraiment top, le TOS, sans souci, je pense que tu vas arriver sur Thion, oui, je ne sais pas si...
Alors, qu'est-ce que j'ai au niveau des panneaux? Alors, je suis à la hauteur de la sortie à Yonge, 9 chefs. On n'a pas compris, tu m'as dit. Oui, c'est pour ça que ça a chuté un petit peu là, mais ça va remonter là maintenant parce que là c'est vraiment, voilà, ça a passé Thionville, le boulevard là, c'est là où il y avait les radars, là, le radar, et puis là tu vas direction le Thionville là maintenant, là, ouais. Je pensais que tu prenais l'autoroute de l'autre côté, sur la pointe, tu prenais pas de l'autre côté, mais ça dépend où tu vas. Oui, c'est ça. Ok, ok, mais bien, bah, écoute, ça marche toujours bien là. Ok, je vais remonter un peu pour avoir un peu plus de confort pour toi, voilà, mais je sais pas si tu vas dire. Oui, 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 c'est vrai que ça veut baisser, ça veut baisser. Oui, effectivement, je suis sur la A30 là maintenant. Là. Voilà, donc là, on va sur eux, c'est quoi déjà le... On va sur Charleville-Mézières. Voilà, là, on s'est réservé là, un hôtel hier soir là-bas, donc ce sera notre point de chute pour ce soir. Avec en même temps, là, on va suivre là tout un petit truc sur la Belgique, voir un petit peu. Hier soir, qu'est-ce que j'ai dit comme ville avec YL? Là où il y a un salon radio là qui se fait, la Louvière. Donc on va peut-être passer là par la Louvière, on sait pas trop où là. Bon, on verra bien. Ça, tout va dépendre de la circulation, de tout ça. Ok, monsieur, tu vas peut-être passer sur un petit tunnel là, et là ça va se perdre. Donc j'attends un petit peu que tu sais quand tu reprends la route. Ok Rémi, on attend le tour là-dessus, dès que tu vas passer le tunnel, tu seras un petit peu plus beau, tu peux me rappeler parce qu'on risque de se perdre. On dirait Rémi. Ok, ben là je crois que je suis en train de passer sur un viaduc, là j'ai l'impression. Hein. Ouais, vu comment ça ressemble, ouais. Ouais, je dois être sur un viaduc. Là la seconde, là j'aperçois toujours pas là, de tunnel. D'ailleurs là où je suis, il y a des travaux là, en ce moment. Alors j'aperçois la sortie 4 Nilvange, Knutange, Ayange. Alors nous on continue tout droit direction Fontois là, de ce côté là. Voilà, 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 voilà. Enregistrez le break. Oui, je suis à quelques mètres de l'entrée du tunnel. Il y a eu un break derrière, en avant le break, je vous reprends aussitôt après. Allez, bonne journée, tunnel de 14, papa chante les mains, on va les 4 opérateurs. Ok, de retour en espérant ne pas se moduler. Ok, c'est bon, les bonnes 73-51, le tunnel est passé. Voilà, de la part de 14 km, 33-01, opérateur Rémi, Dandy 33 en vacances sur la région. Ouais, bah écoute, Rémi, on a discuté hier, t'étais en train de descendre sur Metz, mais on avait du mal à se copier, voilà. Donc, bah écoute, que tu séjournes encore dans notre coin. Dans quel coin tu vas là? Tu montes en direction de Louis? Alors là, on monte sur Charleville-Mézières pour après aller en suivant se balader sur la Belgique. Oui, oui, il n'y a pas de problème, je me souviens effectivement. Alors pour la petite anecdote, hier j'entendais mieux le Portugal que toi. Ah, je suis trois coups. Écoute, il n'y a pas de souci, Rémi. Donc j'ai bien amitié aussi à la station qu'il y a derrière. Je ne sais pas avec qui tu discutes parce que chez moi, j'entends les gens qui de retour sur la station là qui était avec moi, dont j'ai zappé le prénom, désolé. Carlos, voilà, bah oui, c'est Carlos. Putain, mais hey, qu'est-ce qu'ils ont fait là sur l'autoroute ici? Putain, la vache, c'est j'ai eu l'impression sur le coup d'avoir les roues carrées. Quand tu remontes après le tunnel, tu vois du chêne. Donc, les bonnes amitiés, Carlos, Christophe, lui, QTH, Robin, donc c'est-à-dire pas loin de là où je suis. Tu vas en direction maintenant de
Ouais, Carlos, tu as Christophe, voilà. Tu as Christophe là qui est derrière. Carlos, je suis en train de te perdre. Donc je vais t'envoyer les bottes sur 13, Carlos. Petit retour sur, sur Christophe là pour que vous puissiez vous parler un petit peu, Hachi. Merci. Là, ouais, je suis en train de descendre dans le trou. Là ça, on va vraiment se perdre. Et ça, c'est les bonnes 1351 à vous deux. Et à la prochaine sur les ondes. Ben, peut-être au retour ou je sais pas. Bon, on verra bien. Sinon, ce sera via Internet. Ouais, merci à vous deux. Bye bye. Ah ben, ça passe plus. Ok, Rémi, je pense que tu vas m'entendre tout petit là maintenant. Bonsoir, Jean-Pierre, et puis la prudence sur la route, à bientôt. Ok, ben si, je viens de regarder, c'est encore à Santiago de 5. Ok, pas de problème. Ben ouais, en plus, tu m'as dit tout à l'heure là que tu devais QRT. Les bus 1351, renouvelés à vous deux et à la prochaine en fréquence. Station de vacances, allez, bonne journée, Rémi. Ah si, merci beaucoup, bonne journée également. Ok Christophe, je suis en train de faire. J'avais du mal à t'entendre tout à l'heure. Maintenant ça commence à aller mieux. J'espère que tu vas bien là. À toi. Ouais, y'a pas de soucis. On se gratte là. Donc du coup, on va bricoler, on va faire un peu de nettoyage. Et puis bah voilà, maintenant tout à l'heure j'étais devant la maison. Donc c'est pour ça que j'avais du mal à passer là. Voilà. Et là je suis en train de descendre. Je suis près de la piscine à Urgent. Allez, ok, sur ton jour, ça marche, là, commence à marcher, là, ok, Christophe, ok, quand on t'entend, j'espère que tu vas bien, hein. Et puis moi, j'étais en train de regarder sur l'ordinateur, puis j'ai entendu Rémi, là, qui passait dans le secteur, là, sur l'autoroute, et puis on a causé un petit peu, là, bah, ça fait plaisir de l'entendre, je dis, bien, des bonnes stations, là, à toi, Christophe. Voilà, je suis en train de te perdre complètement. Merci, bye bye. Christophe. C'est
station et station fréquence pour Dendy 33 qui l'on s'appelle depuis, depuis le sud Belgique. Hey, ça remet là, il y a un beau truc. Il marche bien de la grue, j'ai été touché. Marche bien. Ouais, l'escalier là pour monter sur la grue. Oh putain, mais là ça commence déjà. La flèche du timon est trop raccourcie, alors ça vient toucher dedans. Ok, j'ai compris pourquoi ils m'ont pas répondu. Parce que eux ils se servent de la CB pour travailler, donc le reste ils s'en fichent. Eh ben c'est pas grave. Je ne vais pas les embêter plus. Attention 14 km 5701 Joël. Attention 14 km 5701 pour 14 km 3301 Rémi qui t'appelle. Passé de Rallye Papa 22, on n'a pas fait de malin, on restait tranquille, le micro raccroché, et puis voilà, c'est passé tout seul. Oui, le Roger Bip, les 73-51 de la part de Dundee 33, là sur le sud Belgique. Ah, c'est très QRP là, c'est très petit là de mon côté là. Bon, je croyais que ça déconnait, mais non, je passais à un endroit, il n'y a plus de QRM. Ouais, vas-y. Toi aussi, t'es un petit... Oup, là, le Roger Bip, il monte. Les 73-51, la station avec la Roger Bip de la part de Dundee 33, là sur le sud Belgique. Salut, opérateur Stinky Whiskey, je suis sur le forum. Ok, ça marche, les 73-51 à toi. Attends, c'est génial, c'est de rencontrer comme ça là, des stations là, qu'on connaît déjà via Internet. Mais c'est dingue, tu te trouves où toi? Alors, normalement, je suis censé aller sur Charleville-Mézières. Et là, du coup, on est sur le sud Belgique. On suit le GPS. Alors, tu sais, un GPS, hein, quand on l'écoute un peu trop, ça te fait faire n'importe quoi. Ça te fait visiter le pays entier avant d'arriver au bon QTH. Ah, chi ! Ouais, on est en balade, là, sur le secteur. Ah, c'est super. Si on m'avait dit que j'allais une fois avoir... Une conversation avec toi en Sibie, c'est bien marrant en tout cas, bah, c'est super. Eh bien, si ça te dérange pas, si tu es d'accord, là je suis en train de faire une petite vidéo, normalement, oui c'est enclenché. Voilà, je suis en train de faire une petite vidéo, dis-moi si ça te dérange, je coupe. Et le bon chiffre à tous les internautes, les francophones, à part de la station Pinky Whisky. Voilà, c'est enregistré, c'est dans la boîte. Alors là, attends deux secondes.
Non, c'est bon. Je me suis méfié parce que je viens de voir là, une voiture passer avec quelque chose de fixé sur la barre de galerie. Je me suis dit, on sait jamais, on va pas faire le malin avec le micro là-bas. Chie trois coups. Voilà. Donc, ouais, alors toi, comme à chaque fois qu'on part en vacances, tu peux y aller, des QSO, des QSO, des QSO, j'en fais tous les jours. Et donc, là, ben, à chaque fois, les vidéos, j'en ai des tonnes. Et dès que je serai de retour au QRA, là, sur la Gironde, je vais avoir de quoi faire un niveau montage vidéo. Oh putain la vache! Ah ouais, ouais, j'imagine, plus tu fais des bornes, c'est clair. Bah, nous ici, frontière Belgique-France-Luxembourg, on est toujours vraiment entre les trois pays. Et quand je vais au boulot, c'est parfois un peu compliqué de trouver des QSO. Beaucoup de camionneurs étrangers, il y a moins en moins de pistes qui se trouvent dans la région, mais il y a quand même moyen, c'est quand même quelques semaines, quelques QSO, mais c'est quand même compliqué. D'accord, Gironville, tu me dis on est du côté de Gironville, de ce côté-là, là où on est, là. Voilà. Le truc qui se passe aussi, c'est que les stations se mettent surtout sur leur canal habituel. Voilà, ce qui fait que du coup, c'est vrai que là, directement sur le canal d'appel, ça devient un peu plus compliqué. Il y a peut-être un message à leur glisser doucement comme ça, là, leur dire, ben tiens, pourquoi pas, pour se retrouver, pour avoir un peu plus de monde en fréquence, revenir sur le 19, ouais, ça serait pas mal aussi, quoi. Ah, t'es toujours là? Ok, attends, là j'étais pas mal perdu, là je t'ai entendu gazouiller derrière. Attends, voilà, je sors de Gironville. Voilà, j'étais à Gironville. Ah putain, là je suis en train de partir en plein dans un trou là. Là je suis pas sûr que je t'abarre en fréquence. Si je te perds, de toute façon, je reste là sur le 19 et puis on verra après. D'accord, il n'y a plus de QRM, il n'y a plus de QRM. Ça fait bizarre de plus avoir de QRM comme ça, parce qu'à chaque fois j'ai l'impression qu'il y a un souci au niveau de l'Alpha Lima, là, parce que de temps en temps j'ai un petit peu le relais, là, qui a tendance à coller un petit peu. Bon, lui je sais qu'il sera changé par la suite. Alors je mets des coups de pédale de micro pour voir. Non, non, c'est vraiment qu'il n'y a plus de... Il n'y a pas un poil de QRM, pas un pète, rien. Il y a tellement plus de QRM que j'entends même plus la station qui est derrière. Bon, alors voyons si je te rentre à nouveau, t'es toujours là? Ok, ouais, ça passe. Ouais, non, mais c'est que de mon côté, j'ai un petit peu de whisky derrière, donc c'est un peu normal que tu m'entends encore. Bon, ça va, j'arrive à te ressortir à nouveau. Et là, j'arrive, je rentre dans Lyme. Ok, j'ai à peu près compris ce que tu m'as dit, car là c'est très QRP là, de mon côté. Tu es originaire de ces coins-là. Eh bien, c'est un coin qui est vraiment bien sympa. C'est vrai que c'est pas mal vallonné en plus. Ouais. Eh bien, tiens, hier, on s'est baladé là, du côté de l'Allemagne, là, par là. On a trouvé des coins sympas aussi, hein. C'est pas mal aussi. Ça sent le truc où il faudra revenir une prochaine fois, quoi. La Belgique, Allemagne, tous ces coins-là. On n'a pas le temps, on n'aura pas le temps de se balader, putain et l'autre, là, quand il était couché. On n'aura pas le temps de se balader, là, sur le Luxembourg. Bon, on ne peut pas être partout non plus, hein. Car je ne sais pas quel jour on est quoi, on est mercredi.
on est mercredi. On compte bien être de retour sur la Gironde au grand maximum vendredi. Quoi. Ok, d'accord, mais ouais, c'est vrai que moi c'est très compliqué aussi pour te sortir. Hein. Donc c'est, on va arrêter là, je vais t'envoyer les bandes sur 1351 et un grand grand merci à toi là, pour t'avoir eu en QSO. Merci beaucoup, à plus. Là, je suis en plein dans les virages, situé derrière. Merci à toi pour le QSO. À plus. À plus, merci, merci, c'est un plaisir. Ok, voilà, t'as réussi à passer un petit peu. Ouais, c'était un réel plaisir aussi. Merci beaucoup, à la prochaine. Propague et Italie qui passe derrière. Et QRM qui passe aussi. CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le sud Belgique. Ouf, ça sent la campagne. CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, Dandy 33 lance appel en mobile depuis le sud Belgique. Les langues étrangères à l'école. Et bonne journée du sud de Belgique.
Attention, 14 km 57-01 Joël pour 14 km 33-01 Rémi d'Andy 33 qui t'appelle depuis le sud Belgique. Pas dit vraiment là. Fréquence est aussi calme que la route là par ici. Attention les stations fréquence pour Dindy 33 qui lance appel en mobile. Il pleut des feuilles ici. Sur les, comme une autoroute mais en chantier. Oh, ça sent la frontière ça. Sans le petit village frontalier. J'ai même pas regardé le nom du village. Ruby. D'accord. C'est QO, c'est QDX, appel de 14 km 3301 en mobile sur Ruby. Bruni. Oups, Bruni. C'est QO, c'est QDX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, en mobile sur Bruni.
J'ai entendu un truc, mais trop petit. Ouais, Belgique. Alors, 50, 90, 120. Ok, d'accord. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 33-01, opérateur Rémi. Dandy 33 lance appel en mobile depuis eh bien, la frontière belge. Oui, ça m'entend, j'entends quelqu'un dans le lointain, c'est très très QRP, hein. Les 73 à station, mais là c'est quasi inaudible là, de mon côté. Je suis à. Je viens de passer Brully plus la frontière belge. Oui, j'ai à peu près, j'ai compris, en mobile, frontière franco-belge également, les 73. La station que j'ai entendue là tout à l'heure, est-ce que tu es toujours là? Là, on roule sur des plaques de béton là ici, trois vieilles. Sur les stations fréquences pour Dandy 33 qui lance appel en mobile. Dandy depuis l'autoroute sur le sud de la Belgique en remontant vers le nord. Hop là, je t'ai entendu à nouveau la station des bus 1351 de la part de Dandy 33 en vacances de votre côté. Être très loin de Philippeville, Roville, dans ces coins-là, quoi, tous les panneaux. Les 73 des stations fréquences là, que j'entends de la part de Dandy 33. Et tout ça retourné.
bizarre les radars belges. Est-ce qu'ils sont camouflés dans une frite? Putain, il y en a qui se plaignent de la qualité des routes françaises. Mais putain, mais qui viennent voir ici. Tout ce qu'on a en Amérique. J'ai l'impression qu'ici, là, il reste plus sur X9. Hein. Contrairement au du côté français, il reste plus sur leur canal habituel. Donc. Au moins 10 mois 5. Ouais, t'entends, mais c'est où? Ok, pour monter les yeux. On veut rien, là. C'est où, là? D'accord, on veut rien. Attends, je viens deux fois de l'avancer, monsieur. Thank you.
Bonjour, j'ai un grip. Bonjour. Normalement, on est en direction de la Louvière. Après, on verra bien sur place. Travailler en rigolant. Je vous avais dit, il est 23h.
J'ai son avion qui est logé par terre. Ouais, ouais, il est parti au moins 20h30, mon accord. Allô? Oh, pas grand chose. Alors la Louvière.
près, presque à Toulouse. Des briques rouges partout. D'accord, vu le temps qu'il fait la Louvière, je crois qu'on va aller sur Bruxelles. Allez, t'es, on est reparti. C'est parti, direction Bruxelles. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 33,01, opérateur Rémi. En mobile sur l'autoroute entre La Louvière et Bruxelles. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 33,01, opérateur Rémi. Dendy 33 vous lance appel en mobile depuis l'autoroute entre La Louvière et Bruxelles. Au niveau local, ils sont plus sur les 40 canaux que les canaux supérieurs. De l'autre côté, ils ont bien raison. C'est ce qu'on est censé faire, nous aussi, là, en France. Thank you.
Oh la vache, ces éoliennes. Et 73-51, les stations que j'entends derrière de la part de Dandy 33 sur l'autoroute entre la Louvière et Bruxelles. Ah bah quand même. Qui monte sur le mur. Alors là, on approche de Bruxelles. Non, je sais pas trop s'il faut pas aller. Qu'est-ce qui mousse comme ça par terre? C'était... Je sais pas. Ah mais ça se trouve pendant l'hiver, ils doivent utiliser des produits anti-gel, trucs comme ça. Et avec la pluie, ça ressort. Il y aurait bien une colonne comme ça. Oups. C'est ma faute. Nous voilà à Bruxelles. Bon ben la propague a du mal à arriver sur Bruxelles. Ah. Allez, un petit coup de mauvaise langue. Ça met tout l'air d'être tous les coups du monde. Donc la propague n'arrive pas jusque là. Ah je plaisante. CQ, CQDX, appel 214 km 3301, opérateur Rémi, en mobile sur la Belgique, QTH Bruxelles.
Et le Portugal qui passe derrière. Le fait 10, il n'y a pas de propane pour qu'on arrive. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, Dendy 33 vous lance appel en mobile depuis la Belgique, Bruxelles. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, Dendy 33 vous lance appel au mobile depuis la Belgique, Bruxelles. J'ai l'impression que l'Italie a dû entendre ce que j'ai entendu tout à l'heure, la Belgique. Ah, et puis là, on va rentrer en ville. À peine gagné, là. Bon, ben la propague est là. Si, si, je me suis trompé tout à l'heure, elle est là. On est parti pour aller sur le Parlement. Tiens, nous aussi, on va aller s'exprimer. Tunnel, parc, c'est quoi? Parc, hein? On va aller faire voter nos lois, nos propres lois. Ah oui, je le vois dans le rétro, le bâtiment qu'on a vu est derrière nous. À gauche toute. Ouais, mais ici, 450 mètres. Ouais, tiens, regarde. 400 mètres, prendre à gauche sur rue de Trèves. Ce futur is gone.
c'est étonnant parce que je vois marqué parking en même temps. Ouais. Non, c'est bon. Mais oui. On a été conduit sans passage par piéton. Dans 600 mètres, prendre à gauche sur place du Luxembourg. Sinon, tu le gares, si c'est un parking, c'est pas grave, tu le gares là, tu enlèves ton antenne. Oui, on va faire ça comme ça. Oui, on va pas chercher, on va pas tourner des 5 minutes, c'est pas la peine. Hein. Ouais, je vais sortir l'antenne. On devrait dire un tour au moins. Et bah, c'est quoi, handicapé? Bah, quand il y a marqué parlement privé, on rentre pas. Ah bah, on s'abstient. Pourtant, on a des choses à dire, nous aussi. Hein. Privé aussi. Déjà, t'as ton équipe perdue, sur ton parking. Alors, où trouver un parking? Où c'est trouver un sugaré? Citizen, Vitrolen. Eh bien, on va trouver quand même. Bon ben voilà, c'est quand même facile de trouver à se garer là sur Bruxelles. Il y a de la chance plutôt. Bon, eh ben on va laisser s'exprimer maintenant au Parlement. On va aller leur dire ce qu'on veut nous au niveau de la CIBI, là, qu'ils nous fassent appliquer ça à tout prix en France. qu'ils disent bien qu'ils n'ont pas le choix là en France, que c'est comme ça, comme ça, comme ça au niveau de la CIBI. Des 40 canons, on n'en veut plus nous. Hein. On veut beaucoup plus. Ah, chie trois coups. Bon, je crois que sur le coup, on va se faire jeter, là.